comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi, Jésus. Fais que je reste près de toi. Fais que je sois comme toi. Fais que je sois comme toi. Donne-moi d'être comme toi. Donne-moi d'être comme toi. Seigneur, je viens dans ta présence. Mon cœur soupire de ta bienveillance. J'ai tellement souffert, je n'en peux plus. Oui, change ma vie, pécheur je suis. Longtemps j'ai loin de toi, séparé de ton amour et de ta grâce. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai entendu ta voix. S'il te plaît, ne me laisse plus partir. Oh, Seigneur, j'ai tant soif de toi. Seigneur, j'ai tant soif de toi. J'ai tant soif de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je viens, Seigneur, dans ta fontaine. J'ai soif, papa, de ta parole. Car depuis que tu m'as parlé, c'est tellement beau, je ne peux plus m'en lasser. C'est vrai que ta parole est claire. Car aujourd'hui, j'ai honte de ce que j'étais vraiment. Esclave condamné, voué à la mort. Ta parole m'a donné la vie. Seigneur, je t'en soif de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ma vie ne peut pas aller loin de toi. Je veux obéir à ta parole et refléter ta personne. Je veux être comme toi. Oh. Je veux être comme toi. Seigneur, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Papa, je veux refléter ta personne. Frère Yannick, que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen. Bienvenue à Douala. Nous sommes à ton service. Parle alors. Moi, j'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordé d'être ici. Moi, je me disais que, vu tout ce que j'ai entendu passer les enseignements, depuis que tu tombais sur ça, je suis ça jour et nuit et je suis vraiment très étonné de voir vraiment un bout d'homme. Il y a certains enseignements. Quand tu parles du bout d'homme, mm-hmm. Et moi je suis vraiment très étonné, très fort étonné même. Étonné pourquoi mon frère? Parce que bon, vu les enseignements, vu vraiment le fait que tu ancres dans la parole et tu ressors vraiment sans moi ça me. Donc tu dis que tu es étonné du fait qu'on entre dans la parole, on sort. Quand tu écoutes, tu dis que mais celui-ci sort d'où? Il sort où? Et je vois vraiment un jeune. Tu aurais souhaité qu'il vieillisse, frère? Bon, parce que quand j'entends la voix, il me dit que c'est quelqu'un qui est déjà âgé, mais il voit vraiment un jeune et tout ça.
vraiment quelqu'un de naturel là, il n'aime pas quelque chose de... Donc quand tu es venu, tu es resté au salon, quand tu es sorti, tu ne sais pas, c'était moi. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore. Jusqu'à présent, je suis encore étonné, je dis vrai, jusqu'à présent. C'est vrai que je n'ai pas encore vu beaucoup de photos. Bon, j'étais chez le frère Séverin. Tu cherchais quand même les photos pour voir qui parle. Oui. Bon, il a mis l'enseignement sur le péché originel. Oui. J'ai commencé parfois, mais je n'ai pas... Bon, je n'ai pas prêté attention. Oui. Et je ne sais pas vraiment. Jusqu'à présent, je ne suis pas. Mais c'est quand même la voix que tu entends souvent, non? Bon, il est comme... bon, je ne sais pas. C'est comme s'il y a une différence de. Bon, c'est comme si dans le. Le CD. Dans le CD ou bien dans la radio, donc dans le baffle, la voix soit un peu différente par rapport à maintenant. Là. Et ça me... Bon, maintenant, quand j'entends. Juste ta volonté, Dieu l'a fait et je suis vraiment très reconnaissant et très ravi, très, je suis dans la joie déjà du fait que j'arrive ici parce que j'ai beaucoup, je savais pas que les choses, donc que l'œuvre de Dieu pouvait encore être vraie, tel que je suis tombé chez les enseignants et compris les choses. Vraiment, il y a quand je comprends l'enseignement, il y a quelque chose au fond de moi qui s'attache à cet enseignement. C'est qu'il y a quelque chose qui... En fait, je ne sais pas, je commence seulement au milieu parce que j'ai beaucoup, beaucoup à dire. Parle, on t'écoute. J'ai beaucoup à dire. Sens-toi libre et bien. En fait, j'ai tout à commencer, c'est d'être avant que je tombe sur l'enseignement. Je sentais au-dedans de moi un vide. Avant de sentir le vide, bon, il y a une soeur avec qui nous étions à l'assemblée de Bangassi. Elle me disait qu'il faut. Elle me demandait si tu es rempli du Saint-Esprit. Bon, j'étais un peu troublé. Et moi, elle me disait. Donc, peut-être d'après elle, et d'après les enseignements qu'elle a fait, la plénitude du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Bon, on va parler de ça. Attends, d'abord, il finit de poser. Non, c'est le professeur Hachim. Bon, frère Yannick, rebonsoir. On t'écoute. Donc. Donc, tu dis dans ton cœur que le frère Hachim a 4 enfants et c'est un vieux. Oui, quand j'entends la voix, j'entends la voix. Là, le frère Brian. Et bon, il n'a pas encore entendu parler de Brian. Parce qu'il manque beaucoup. Oui. Bon, on va aller dès le début. T'as tu vas poser des questions, d'accord? Quand tu vas... Comment ça s'est passé, frère? Comment tu nous as connus? Bref, c'est... Je sentais vraiment à moi. J'étais même ton téléphone aussi. Ah oui. Sois le bienvenu, mon frère bien-aimé. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Tu as bien voyagé. Très bien par la grâce de Dieu. Mais comment tu nous as connus? En fait, c'est. Comme j'avais commencé disant que. Il y a eu cette soeur m'avait dit qu'elle m'a posé la question à savoir si je suis rempli du Saint-Esprit. Quelle soeur? Donc c'est une soeur qu'on était à Banté ensemble, elle est étudiante pour le Mali à Yaoundé. Bon, et d'après l'enseignement qu'elle a reçu, c'est comme si la plénitude du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Et moi, quand je m'étais repenti au fond, les enseignements que j'ai reçus, bon, c'est quand même calé. C'est vrai qu'après, même celui qui m'a enseigné, à un moment, il a un peu déjoué beaucoup, il a fait beaucoup de tout. Mais tous ces enseignements restent quand je parle n'importe où, quand j'écoute un enseignement, essaie toujours de faire en fait, comparaison. J'ai fait une comparaison et je sais pas, quelque chose, il y a aussi quelque chose dedans de moi. Quand c'est la vérité, je sens au-dedans de moi que ça c'est la vérité. Quand c'est pas la vérité, je ressens que ça c'est pas la vérité. Donc j'étais en train de chercher, dit que bon, le parler en langue, la même que nous on a prêché par rapport au parler en langue, ce n'était pas quelque chose de bien. Qui a prêché? Bon, là, mais il y a. Parce que c'est le deuxième pasteur que je suis en train de suivre maintenant. Celui qui. Là où je me suis repenti vraiment. Il avait prêché contre le parler en langue. Et il a dit quoi au juste? Il disait que non, le parler en langue. En fait, il disait que le parler en langue, le jacques, les bruits qu'on fait maintenant dans les assemblées, ce n'est pas le vrai, c'est le faux. Il disait que ça ne vient pas de Dieu. Donc, ça, c'est. Il a expliqué ça dans les écritures. Bon, il avait un peu touché les écritures, mais pas très clair. Mais quand même, il avait dit que ce n'est pas bien. Déjà, le bruit qu'on fait dans le parler en langue. Normalement, si on doit parler en langue, que ce soit en ordre. Et qu'après, qu'il y ait des interprètes. Sinon, qu'on ne parle pas.
Donc, quand ils sont encore ancrés dedans. Eux-mêmes aussi. Tête, pieds, lit, tout ça. Attends, lui-même qui faisait ça. Lui-même qui parlait, il est ancré dedans. Même l'enseignement de la femme, actuellement, dans la dénomination où ils sont. Mm-hmm. C'est une femme qui est comme la tête, qui est comme. La chibichonne. La mère de l'église. Et elle-même, lui-même qui était, qui condamnait que les femmes ne peuvent pas enseigner. Lui-même maintenant, il est en train de prêcher pour soutenir l'enseignement de la femme. Mm-hmm. Pour soutenir que les femmes peuvent prêcher. Mm-hmm. Est-ce donc, que tu, là, tu as eu un entretien avec lui par rapport à tout cela. Bon, chaque fois qu'il m'avait venu, il dit que non, que la révélation, il peut avoir une révélation vraie aujourd'hui, demain. Donc, ça est progressif. Donc, il peut prêcher quelque chose aujourd'hui, le lendemain, il vient encore, il prêche contre, ça dépend du Saint-Esprit. Et là, celui-là, je te pose une question. Mm-hmm. Quand on met une semence de maïs au sol, ça pousse. À un moment donné, la tige peut commencer à être maïs, ça devient maintenant arraché à 20. Jamais. Donc, quand la révélation est progressive, ça veut dire que ça va suivre un certain niveau pour s'éclaircir au fur et à mesure. Mm-hmm. Ça ne peut pas, la révélation ne peut pas être contraire à la première révélation si ça vient de Dieu. Mm-hmm. On est d'accord? Mm-hmm. Ça continue, c'est un peu comme quand le maïs sort, ça commence à être vert petit. Comme cela, ça va continuer à être comme ça. Il n'y a rien de contraire qui n'était pas là dès le départ. Ça va seulement ressortir à l'intérieur pour être plus clair. N'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, la révélation est progressée. Ça se pose qu'au fur et à mesure. C'est un peu comme quand l'enfant, quand il y a fécondation avec l'enfant, l'enfant est comme le tétard à l'intérieur. Quand tu vois le tétard petit, c'est comme le tétard, chose que tu peux jeter. Mm-hmm. Alors que plus tard, le muscle que tu as, tout le tétard s'est développé. Ce n'est pas sorti de l'extérieur pour venir s'ajouter là-bas. C'était à l'intérieur, ça se développe. Donc, c'était progressif. On dit donc que c'est grandi de façon progressive jusqu'à arriver à maturité. D'accord? Il n'y a rien de contre qui s'est ajouté. Mm-hmm. En vérité, bon, il y a beaucoup de choses que il a prêché au départ, que je me disais que jusqu'à présent, tous ces enseignements-là sont inédits, c'est mm-hmm. inné à moi. Mm-hmm. Donc, comme tu as dit la vérité, tu as entendu la vérité, oui. Il vient d'un côté du mensonge, le mensonge ne veut plus entrer. Oui, ça ne peut plus. Mm-hmm. Par exemple, même par rapport à l'assemblée, bon, sur l'assemblée, que l'église n'est pas une, que l'église de Dieu n'est pas une dénomination, tout ça, mm-hmm. sont tous les enseignements que j'ai reçus de lui. Mm-hmm. Bon, pour le moment, il dit que non, il faut une autorisation, il a peur, bon, tout ça, on peut le menacer, tout ça. Mais quand j'ai vu ça, bon, j'ai vu que ce milieu-là, ce qui est en moi, en fait, ce que j'ai reçu, ou bien ce que je désire, il n'est pas à mesure de me donner, de me nourrir spirituellement. Je l'ai senti léger, bon. En même temps, j'ai rencontré le pasteur, un pasteur Rodrigue, qui est à Barenté. Et ce qui a fait en sorte que je puisse le rencontrer, c'est que je partais un jour à Barenté. Parce que j'ai mes petits frères parce qu'il fréquentait à Barenté. Mmh. Et entre temps, comme il était seul, bon, il a un peu déjoué. Donc, comme la puberté l'a un peu menacé, bon, mmh. j'ai vu que si je le laisse là, je peux ne plus le récupérer sur Monté. Je suis allé pour le récupérer à Barenté. Bon, j'avais un téléphone qui menaçait un peu. J'ai vu un technicien. Il a dit que c'est le cycle de charge. Après avoir changé le cycle de charge, il dit que non, ça ne fonctionne plus. Le même téléphone qui jouait là, il dit que non, ça ne fonctionne plus, pour un peu arranger. Mais il dit que pas avec, il dit que mais comment il veut partir avec un téléphone gâté, il veut faire comment avec. Il dit qu'il l'achète, mm-hmm. il peut même enlever certaines pièces là pour dépanner d'autres. Oui. Il a dit que il m'a donné aussi des mes frères, il dit que non, il manque quelque chose, non. Il dit non, il ne veut même plus que j'aille avec. En montant maintenant, je tombe chez le frère. Bon, c'est vrai qu'il est pasteur, il est aussi technicien de téléphone portable, j'ai vu le recours télé comme je suis allé, mm-hmm. je suis ancré. Il a mis les brochures sur une table à l'ancrée, là où il travaille. Il a dit, servez-vous. Bon, j'ai vu, tu es de quelle église? Mm-hmm. Mais c'est un enseignement. Quand j'ai pu ça, c'est ça qui m'a marqué. Mm-hmm. J'ai vu que ces enseignements étaient un peu liés à ce que nous on prêchait quand on venait de sortir. Oui. Mm-hmm. Bon, ça m'a intéressé. J'ai commencé à fouiller. J'ai vu que c'était vraiment intéressant. Et là, il a rajouté ton téléphone. Oui, bon, quand il voit le téléphone, mm-hmm. il prend le téléphone, il arrange, il détecte, il me dit que la pente c'est 800. Il dit que le téléphone que je voulais d'acheter, tu dis que 800. Il arrange ça maintenant, tu me donnes. Mm-hmm. Il dit que je suis en train de voyager, s'il te plaît. Je ne veux pas repasser. Alors maintenant, quand il arrangeait, je lisais les enseignements vraiment. Bon, à l'instant, je sentais vraiment que ça, les enseignements étaient vraiment bien. Mm-hmm. Donc, je suis quitté même. Après, avec lui, je suis quitté, même venu ici à Douala. Je suis venu ici à Douala même pas deux fois. Première fois même, j'ai travaillé d'abord avec l'un de mes maris, ma tante. Il travaillait là au quai, non? Ceux qui partent couper les matins dans le bateau, sur les pirogues, oui. Je partais avec lui. Il passait même parfois ici à Ngodi, parce que quand la mm-hmm.
Dans la pirogue comme ça. Non, passé ici Bangoti. Bon, dans le, quand parce qu'il avait le moteur hors bord là. Mm-hmm. Bon, quand il y avait panne, parfois même la scie, mm-hmm. comme ça, quand il y avait problème, on vient, on gare à la plage. Un niveau okay, ici. Mm-hmm. On gare un niveau ici là, parce qu'il y a une moto qui arrive jusqu'à au bord de l'eau là. Mm-hmm. On fait le sable, non, on enlève le sable. Non, il y a même un village même il y a là. Ça. Mm-hmm. Petit de Bamba, petit de Bamba. Non, bon. Je suis d'abord venu en retard. Bon, je travaille avec ce papa. Chaque il est énervé, trop. Et moi, j'ai dit que merde, me voici, je suis un enfant de Dieu. Chaque jour, je suis dans la colère. Et parce que et là-bas, là, les gens me presque chaque jour que merde, si la pirogue chavire un jour, la colère peut me faire rater le roi, monsieur. Je suis en train de faire quoi ici? J'ai dit que je ne travaille plus. J'ai abandonné. Je suis dans le village. Et là, tu pars comme ça dans le pirogue, monsieur, c'est un ingénieur. Non, pour le mot nager, je me défends. Je me défends. C'est pour nager, je me défends. Bon, je suis rentré. Avant ça, quand j'étais ici, quand je venais, on était dans une dénomination là-bas, à Dakar, Sibibi. Quand j'arrivais là, Sibibi, Centre Biblique des Béréens. Centre Biblique des Béréens. Sibibi, Centre Biblique des Béréens, là, c'est à Dakar, après, avant Kwimi, là. Bon, j'étais là. Les enseignements, quand j'écoute l'enseignement, ça me, je suis touché. Je sais que ça, ce n'est pas vrai, mais je ne suis pas capable de démontrer que ça, ce n'est pas, que ce que vous êtes en train de prêcher là, ce n'est pas vrai. Mm-hmm. Je connais la vérité, mais je ne peux pas parler. Mm-hmm. Et j'étais tout mélangé. Quand les jours de réunion arrivaient comme ça, j'étais touché, brisé en moi. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Quand parfois, celui qui est en train de prêcher, il est en train de prier que Seigneur, je prie que tu l'as. J'étais malade. Temps, je suis encore quitté Ranco village. Je suis encore revenu. Maintenant, il y a un de mes papas là-bas. Il y a un papa qui il est boulanger. Il fait dans la boulangerie. Je suis revenu. Je travaille avec lui dans la boulangerie ici à Onyalakatia ou ça. Bon, je suis arrivé par la grâce de Dieu. C'est ma collègue. La grâce de j'aime le travail. Je travaille. Et il y avait un technicien qui devait voyager. C'est lui qui était le pécrisseur. Et qu'il était, il était comme chef là, il devait partir en Guinée. Bon, en quelques temps, j'apprenais, j'ai appris, en quelques temps, j'ai appris tous les travaux. Je maîtrisais déjà tout. Jusqu'à c'est moi maintenant qui, quand il est quitté, la boulangerie devait tomber, c'est moi qui relève la boulangerie. J'ai arrangé beaucoup de choses là-bas, parce que même le fou, je ne dormais pas. Mm-hmm. Je me sacrifiais vraiment pour travailler. Ce travail, donc, j'ai dit nuit et jour. Parce qu'en journée, le fou là, c'était bloqué. Mm-hmm. Parce que le fou, pour que c'est un fou pavaillé, un fou qui prend le bois. Mmh. Bon, pour que le bois sorte, il faut que la cheminée, ça passe par la fumée sorte par la cheminée. Au niveau de la cheminée, c'était bloqué. Mmh. Il fait que c'était compacté, ça ne chauffait pas. Mmh. Il fallait de temps en temps mettre le bois pour que la température soit un peu à un degré qu'on peut enfourner le pain en soirée. Mmh. Comme ça que je ne dormais pas. Il n'y avait personne qui pouvait faire ce travail. J'ai travaillé nuit et jour sans dormir. Mmh. Un jour, le Seigneur m'a. Bon, je me suis levé comme ça, je suis parti chez la cheminée. Et puis, je vais taper, taper, taper. Ça a débloqué tous les fumées qui avaient débloqué. Qui avait contourné et ça a bloqué. Ça avait bloqué, ça a bloqué. Le jour-là, la température est montée à 240 degrés. On a mis le pain après quelques minutes seulement. Ça brûlait seulement. On a dit donc, vous voulez la chaleur, non? On a passé la chaleur, donc. Je dis qu'en quelques minutes, ça brûlait. Le pain noisait seulement. Maintenant, la température était brute. Là, maintenant, ça a un peu diminué le travail parce que. Comme je passais toute la journée là pour chauffer, maintenant là tu peux te lever, tu peux travailler à nuit, je me lève même à 15h et mets le machin, quand la fumée passe là ça active, donc la température normale, pour qu'on commence à enfourner peut-être à 20, 21h, la température normale. Un jour maintenant, j'étais déjà fatigué, quand je prends la Bible pour lire le sommeil, je me mets comme ça pour prier, je commence à, je suis en train de dormir, même à prier tout ça, je dis que merde, je suis en train de partir ou comme ça, j'ai décidé de prier un jour d'eau. Un jeune de courageux, à sec. C'est vrai que je gênais en travaillant. Le troisième jour, parce que j'ai commencé le jeûne à minuit. Le jour que je devais finir le jeûne à minuit, j'ai eu un songe. Dans ce songe, bon, je me rappelle plus trop, mais c'est quand même que le patron avec qui j'étais, bon, il y avait des choses, les habits de tradition, beaucoup de choses que. Mm-hmm. Oui, les habits de tradition et autres. Parce que ce papa il est comme un, il est en signe de l'église. Mm-hmm. Là, et il est aussi notable. Oui, il est aussi notable, oui. Il est aussi notable. Bon, en même temps, et quand cela s'est passé comme ça, le lendemain, le travail que j'aimais, que j'aimais presque tout ce que j'ai, mm-hmm. en marche,
j'ai commencé à avoir de la nausée, le dégoût de ce travail. Tu n'as plus de... Je n'avais plus d'envie. Et c'est comme si même une voix même disait dans moi que ça va. Ça a créé un scandale. Le jour-là, maintenant, j'avais, parce que comme les travaux étaient un peu stables dedans, il m'avait dit de sortir, maintenant, il m'a envoyé à la livraison. J'ai fait maintenant la livraison, j'ai fait passer, passer la commande. Et le jour-là, c'était au moins 80 et poussière de 1000 ou presque 300 000 qui étaient comme ça dans le jeu. Je veux me lever, mon cœur ne fait que baisser. Je veux me lever là où je partais. C'est comme si je n'étais pas là, on va seulement finir avec moi. Je vous ai dit que comprenez-moi, je vous ai travaillé ici, je n'ai jamais désobéi. Je me suis sacrifié ici, mais pourquoi je vous dis, vous êtes enfant, pourquoi je vous dis que là où je suis là, ça ne va pas. C'était difficile, la calomnie, quand j'ai quitté là, même, il est même parti à l'hôpital, il est passé à l'hôpital parce qu'il ne croyait pas que quelque chose comme ça pouvait arriver. Et aussi, il ne croyait pas que tu pouvais le lâcher. Oui, il ne croyait pas. Parce qu'il visait là. Il visait là que peut-être que c'est moi qui peux, il peut ne pas être là, je le remplace. Et moi, j'ai vu dire que le travail est tellement occupant. Et moi, je vais servir Dieu. Ça ne peut pas me permettre d'être libre. Bon, j'ai dit que non, ça ne me donne pas. On est parlé comme ça. Bon, c'est vrai que j'étais parti là, j'ai ramassé des enfants. Bon, et même maintenant, actuellement, il y a certains enfants là-bas qui. Voilà que ce sont les enfants que c'est moi qui suis parti les ramasser au village où je viens avec. Et moi, maintenant, qui suis comme la tête, quand je dis que je ne vais plus travailler. Il y a maintenant les jeunes commencent à dire que non, peut-être qu'il est dans la sorcellerie, ceci, il y a comme beaucoup de choses sont passées, ils disent que non. Si tu es dans la sorcellerie, je devais vous parler, moi, je ne suis pas un sataniste. Mais si vous voyez, je dis la vérité, je m'efforce quand même. C'est vrai que si je vois ce qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais vous dire. Il n'y a rien. Je me suis quitté maintenant, il dit qu'il va monter. Bon, j'ai prié, quand j'ai regardé les pasteurs, parce que je me suis promené dans les assemblées ici. Vous voyez tous ces pasteurs-là, vraiment. Ces hommes de Dieu, ils sont tous les gens qui sont... Quels sont les assemblées où tu es allé? Bon, comme je suis parti apostolique, église apostolique, là, ici, à Ons. Il y a aussi le collabave à l'Orbaba. Et nous sommes aussi partis, bon, je me rappelle plus trop loin, mais... Tu es passé par les églises. Oui, je suis passé là. J'ai vu les passés. Il y a la soif n'était pas étanché. Oui, ce n'était pas étanché. Je ne vois vraiment, je ne vois pas quelqu'un de convaincant qui puisse vraiment me donner ce que je veux. Et quand je vois les enseignements de tout, mais la vie et tout ça, ça me met mal à l'aise. Mais sans, il y a quelque chose devant moi là qui a feu. Je ne pas. Donc j'étais perdu. J'ai dit que bon, le pasteur Louis, j'ai dit que bon, il va rentrer travailler avec lui. Que nous avons commencé. Tu as dit qu'au moins là-bas, au moins tu connais. Oui, au moins. Mais il y a quand même, comme c'est degré par degré, il est quand même mieux par rapport aux autres. Et c'est force quand même. Bon, là maintenant, à ces derniers temps, on a travaillé, je suis parti. Même là-bas, Foussam, nous sommes pas, on prêchait même à la radio, même à Bangandé. On partait prêcher à la radio. Vous partez prêcher quoi? Bon, l'évangile, on travaillait, il y a même les enseignements. Les enseignements. Bon, moi, il me disait que c'était là suffit. Que c'était là suffisant. Il ne savait pas que. Il y avait quelque chose qui me... Donc, que j'avais encore besoin de quelque chose. Merde. Quand la sœur me parle, bon, j'ai pris le jeûne, j'ai prié. J'ai dit que je ne veux pas l'imitation du parler en langue. Je veux l'authentique. C'est ce qu'elle veut parler. J'ai forcé n'importe comment, ce n'est pas venu dire que non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Un jour, et là, tu parles à la Bible, tu vois quelque chose dans la Bible. Tu vois la réalité, c'est autre chose. Mais ça ne va pas. J'ai commencé à sentir au-dedans de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai commencé à sentir un vide en moi, au-dedans de moi. Mais maintenant, j'ai commencé à prendre les enseignements de Shura. Ça parle aussi du Saint-Esprit. Et je suivais un peu les enseignements qui parlent même des miracles qu'il faisait, mais de certaines choses qu'il faisait. Bon, c'est même la seule même qui me parle par rapport à la plénitude du Saint-Esprit, qui me donne même ses enseignements. Parce que sur le net, je ne suis pas moi fort dans le net. Et les enseignements aussi, bon, je ne savais pas. Bon, j'étais moi basé que dans les enseignements du frère, je ne connais pas moi les autres. Donc c'est ça, les enseignements, là où on prêchait ça, que je suivais moi. Quand je suivais ça, j'ai vu que bon, le frère Shura a encore quelque chose de plus un peu que celui-ci. Par exemple, même dans les assemblées, comme dans les assemblées, comme ça, il y a les choses qui
qu'on démontre les choses, tout ça. Mais je suis des enseignements du Frère Chora, mais il y a quelque chose que j'ai reçu à la base qui ne donne pas. Mm-hmm. Par exemple, les femmes ne se voilent pas, on porte n'importe quel habit. C'est comment ils posent un poney. Est-ce que c'est vrai? J'ai commencé à dire que bon, maintenant là, moi, je vais m'engager. J'ai pris la décision, je suis parti. Un jour, en passant chez une soeur, chez un pasteur, c'est lui-même qui m'a baptisé. Mm-hmm. Il avait bon. Durant des temps, tu faisais comme ça, tu n'es pas baptisé. Non, je m'étais baptisé. Je dis, je suis pasteur parce que quand il m'a baptisé comme ça, nous ne sommes plus ensemble. Mm-hmm. Les gens qui discutent mes brebis et tout ça, bon, les gens, bon, j'ai senti des gens qui sont là carrés. Mm-hmm. On dit différent, c'est la même chose avec la religion. Bon. Mm-hmm. Un jour, en passant, sa femme, il y avait le câble de coup de la télévision, bon, tout ça. Il y avait une chaîne là, on avait Dex, 24 chrono. Mm-hmm. C'était là, on a commencé d'abord par FBI, les enquêtes là. Mm-hmm. Donc je me suis un peu intéressé. À un moment, il a montré les sorcières. Un autre jour, il vient, il voit maintenant que 24 chrono. Mm-hmm. C'est chez qui comme ça? Chez le pasteur. Mm-hmm. Et qui voyait? Presque tous voyaient. Bon, quand on voit lui-même, il part dormir, sa femme voit avec les enfants et tout ça. J'ai vu 24 chrono jusqu'à un jour. Sur la chaîne de télévision, un jour à moi, je devais dormir même là-bas. Un jour à moi, je devais dormir. Ça m'a intéressé. Il y a eu Jack Bauer, ça m'a intéressé. Dit que non. Bon, et ce qui m'a intéressé dans le film de Jack Bauer, c'est vrai que le péché. Ce qui m'a intéressé, c'est que quelqu'un, il est même malade, il est même souffrant, mais il vit lutte pour la cause de son pays. On fait n'importe quoi, mais même, il veut toujours pour aller lutter. Et que bon, moi aussi, j'aime Dieu, je vais lutter pour sa gloire. Ouais. Quand j'ai commencé à sentir un vide dedans de moi, je suis parti d'abord, j'étais bon, un temps, une période, dans mon haut, je sentais vraiment dedans de moi qu'il me faut. Donc, je ne voulais plus rester, je n'ai plus rien, même travail, je ne veux plus rien travailler. Donc, maintenant là où je pouvais, dans mon cœur, dans mon esprit, là où ce qui me. Donc la seule issue favorable pour moi, c'était de rester dans le jeûne et la prière. J'étais seul. Quand je commence, à un moment, je suis troublé. À un moment, je suis perturbé. Quand je m'en vais voir le pasteur, quand je parle au pasteur, bon, lui-même, il n'est pas du genre qui jeûne aussi, qui amène les gens à travailler. Mais je suis bloqué. Bon, puisque je voulais être tout dans le présence du Seigneur, il y avait un frère à Bertrand m'a appelé. Sans qu'il y avait une campagne, bon, moi je voulais aussi, comme je voulais aussi avec la présence, Seigneur dit que ouais, je peux partir, je suis parti à Bertrand. J'arrive, je vois sa femme. Et ce qui me cœur encore beaucoup plus, c'est que dans le couple chrétien, aujourd'hui, tu vois, on dit pasteur, la vie du couple même, ça décourage vraiment, vraiment. Ça donne un dégoût. J'ai été dans quand tu vois même la vie là, tu n'as même pas le goût de te marier. J'arrivais que, au lieu du programme, c'est son problème avec sa femme, comme pour toi, mais au sort. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur l'ancré. À l'ancré, maintenant, je me suis arrêté à Yaoundé. J'ai acheté 8 CD de Jack Bauer. Mmh. Est-ce qu'il veut voir ça jusqu'à. J'ai acheté 8 CD de Jack Bauer. Je suis rentré maintenant. Je voyais. Et dans mon intention, j'étais comme Jack Bauer. Il veut lui tout pour son pays. Moi-même, je vais me quand il veut voir le film de Jack Bauer, il veut m'enfermer pour jeûner. Quand j'ai commencé à. J'étais vraiment dans la quête. Et quand il regardait, même à l'assemblée, je vois même le pasteur, je vois tout. Il n'y a personne que je peux lui parler. Il comprend mon problème. Mm-hmm. Parce que tout sont superficiels. Mm-hmm. Et chaque fois, je fais crier à l'assemblée qu'on est superficiel. On dit toujours, avant que je me sépare, on me sépare. Avant que je me quitte même maintenant là, il y a un problème. Parce que quand il dit que nous sommes superficiels, ça ne va pas. L'assemblée, l'église, c'est pas comme ça. On n'est pas. J'étais comme un scandale. Parce que. Comme un scandale. Oui, j'étais là comme un scandale. Mmh. Oui, déjà que je ne fais que dire. Tu dis des choses qui sont contre, oui. Ça crée des troubles. Oui, peut-être. Donc ça touche ce qu'on aime. Parce qu'on est habitué à. Bon, on vient le lundi, peut-être que les quelques jours de la réunion, même seulement les jours de réunion, même, j'ai beaucoup crié pour qu'on puisse augmenter. C'était les dimanches, mmh. Voire même samedi. J'ai beaucoup crié pour qu'on puisse augmenter, même le jour de prière. La prière là, aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas. On est superficiel. Je vois ça me cœur. Tout ça. Je suis dedans là. Et quand je parle même, pour que quelque chose puisse avoir même le poids, il faut que le dirigeant même, qui est comme dirigeant qui parle, il insiste. Le péché est là, il voit, il ne dit rien. Quand je viens, il dit que mes frères, c'est comment
Et ces derniers temps-ci, avant, quand j'étais dans la quête comme ça, je tombe, j'y arrive, le frère Sévérin a encore, il y a cette inflexion qui était dans la comme attends, ça. À ce moment, tu étais avec le frère Sévérin. Non, à ce moment, on se connaissait là avec le frère Sévérin. Mm-hmm. Mais quand il est passé, c'est donc pas... Donc tu as raconté comme ça pour montrer la jeunesse, comment tu as fait pour le rencontrer. Oui, pour vous rencontrer. Bon, voilà que le frère Sévérin m'appelle parce que j'étais vraiment disposé, prêt. On disait que pour Dieu, si c'est n'importe... Et je bénis ce parce qu'il m'a accordé la carte radicale. Mm-hmm. Quand ce qui concerne Dieu, non, toutes les autres choses là, restent à côté. Mm. Il m'a appelé comme ça pour un programme. C'est vrai qu'il avait... Il a dit qu'il y a certains frères qui quittent les doigts là, tout ça, ils viennent pour les encourager, tout ça. Donc directement, je me suis levé, même ce que faisait à l'abandon, je suis monté directement, je les ai vus. On a un peu discuté, je les ai sentis, vu qu'eux-mêmes ils sont légers. C'était qui comme ça? C'était un frère qui ont quitté ici les doigts là. Bon, je me rappelle, je ne sais même pas, c'est vrai qu'ils ne sont pas dans les messes, dans les dénominations, et aucune, les églises en ont. Mais je... Tu avais remarqué les gens parmi... Oui, j'ai remarqué quand même certains frères. Mais senti que mais sorti de quel groupe alors? Je ne connais pas ma crew parce qu'il y a un frère là à Bafoussam qui s'appelle le frère Talon. Mmh. Il travaille à la banque. Mmh. Et je crois on l'a affecté ici là et il persévère avec les frères. Mmh. Bon, en même temps, ce qui a permis que les frères puissent monter, on montait comme ça pour la cause de Sévérin, parce que comme Sévérin a suivi les enseignements, mmh, bon, ça le boostait déjà. Mmh. Et lui-même était plus crew régulier même. Donc on manquait comme ça, peut-être que... C'est son problème. Oui. Donc, quand il m'a appelé, je suis allé. Quand il a parlé de ça, directement, je suis monté. Et parce que pour ça, je suis prêt. Là, c'est pour Dieu, je suis prêt. Même si c'est à minuit. Quand il a parlé directement, je suis allé. On a un peu essayé de passer tout ça. C'était deux jours. On a passé, j'ai vu les enseignements, ont développé certaines choses. Il y a la parole, mais il y a l'épée, mais il n'y a pas la main pour balancer l'épée. Mmh. J'ai senti, ça ne va pas. Bon, un jour, un soir, quand il rentre, on s'en branque, je devais dormir avec lui. Je ne sais pas si c'est assez pire là, parce qu'en temps aussi, j'étais malade. J'ai eu un choc à l'œil. Mmh. J'ai fait un mois à Bafoussam, à l'hôpital. Parce que l'œil là devait même se percer. À la grâce de Dieu, c'est vrai que je ne vois pas encore quelqu'un avec, mais ça va aller. Mmh. C'est comme s'il m'a donné les enseignements. Quel enseignement? C'était les enseignements. Donc, ce qui a fait me dire que, bon, quand on discutait parfois, je disais que, est-ce que tu sais que même le jus là, ce n'est pas bien? Bon, il n'était pas vraiment très bref là. Mm-hmm. Bon, je n'ai pas bien compris. Bon, j'ai parlé aussi comme ça. Mm-hmm. Un jour alors, la voix, mm-hmm, il y a une voix que j'ai remarqué. Une voix que quand il comprend la voix, ça tique quelque chose dans moi. Mm-hmm. C'est que, c'est là où le frère Jimmy pose la question que par rapport comme tu as parlé par rapport à la boisson. Mm-hmm. Et tu dis maintenant que j'espère qu'on ne doit pas te taper. Il dit que mais y a-t-il encore dans ce monde ici des gens qui disent que j'espère que les invités ne vont pas me taper. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose qui est rare. Mm-hmm. C'est ça qui a interpellé. Il m'a dit que non, ça, la voici là. Mm-hmm. Ce n'est pas, j'entends les voix, mais la voix c'est différent des autres voix. Il dit que frère, il a besoin de ses enseignements, il a compris les enseignements. Il dit que voilà, ça c'est la vérité. Et cette vérité, vraiment, comment tu as écouté tout l'enseignement? J'ai suivi tous les enseignements. Je suis parti, je suis venu avec une clé. Je crois 8 gigas. Mm-hmm. Il a mis les enseignements, j'ai pris la peine de suivre. Quand je suivais, ça me pénétrait. Le premier enseignement que tu as suivi, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu en as reçu? Le premier enseignement, d'abord, c'était par rapport à la boisson. Mm-hmm. Et après, la télévision. Mm-hmm. Oui, ça sont les enseignements que... Quand tu suivais, qu'est-ce que tu recevais? Qu'est-ce que le Seigneur te mettait? Bon, quand j'écoute les enseignements, au-dedans de moi, je sens vraiment une joie et une paix au-dedans de moi. Mm. Oui, c'est ce que je ressens. Mm. Je sens que pour le moment, vraiment, la soif là, je sens que ça, c'est la nourriture qui peut un peu étancher ma soif. Mm-hmm. Par rapport à la télévision, les séries de Jack Bauer que j'ai acheté, j'ai pris 2 jours peut-être à Baranté. Mm. J'ai dit que j'étais dans le jeûne, j'ai pris 2 jours. Sans dormir. Mm-hmm. J'ai commencé où c'était à 19h, à quelle heure, jusqu'au matin. Mm-hmm. J'ai tout visionné. est-ce que Jack Bauer donne le lait? Il croit que dans le truc dans un enseignement, il parlait de ça aussi. Oui, tu as parlé, c'est en que temps alors. Parce qu'il n'a pas encore suivi l'enseignement sur la télévision, quand la télévision n'est pas bonne. Mm-hmm.
Il comprend alors que la télévision, je ramasse même les, quand il comprend que la télévision là, c'est pas bien. Il dit que mec, quand tu parles, mais hier, il entendait même Jack Boy. Non? Il dit que, hein, donc, je suis en train de dire que je vais me débarrasser alors que je suis en train de m'enfoncer. Tous les CD là, j'ai ramassé maintenant, j'ai mis ça. Il dit que ma mère va même s'aimer le riz, je vais donner à chercher des oiseaux dans le champ du riz avec. J'ai parqué, j'ai commencé maintenant à suivre les enseignements. Tous les enseignements dorment seulement. Et quand je suis les enseignements, ça me booste. Ça me touche vraiment. Mais pour le moment, quand je suis les enseignements, je viens à l'assemblée. Avec le pasteur Rodrigue. Oui, avec le pasteur Rodrigue. Je vois qu'il y a des contradictions. Par rapport à la Sainte Seine, on nous donne des pains avec le machin. Alors que l'enseignement est c'est clair et net. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, on comprend aussi seulement ça que nous devons examiner. Et puis les enseignements que tu as pris, c'est vrai, quand tu suis, tu écoutes, tu vérifies la parole, n'est-ce pas? Oui, quand je prends l'enseignement, je suis. C'est vrai que tous ces enseignements-là, j'ai plus seulement pris le temps pour suivre ces mêmes enseignements. Quand je suis, ça peine, quand je suis, ça peine, quand je suis. Je dis que bon, j'ai pris, je suis l'enseignement en même temps avec la Bible, je n'ai pas encore. Mais quand je suis, c'est que ça, c'est vrai. Ça, quand je suis, je sais que ça, c'est la vérité. Et je sais que beaucoup ne peuvent pas supporter cela. Même à la maison, quand je mets, c'est vrai que ma mère, il y a d'autres parties qui l'intéressent, d'autres parties qui ne l'intéressent pas. Oui. Donc, quand je suis les enseignements, je commence, je viens, je compare, je vois. Bon, maintenant, j'ai senti que... Attends, et quand le frère Sévenet t'a donné, est-ce que vous en avez parlé par la suite? Il m'a dit que c'est un frère, que c'est un jeune frère, que peut-être il a même âge avec lui. Et il m'a montré même le groupe, disant qu'il y a certains frères aussi là-bas qui sont les gens qui sont tellement zélés pour Dieu, ils se rassemblent chaque jour, tout ça. Un temps même, avant que je ne t'appelle même, je disais que bon, si c'était même possible, pour pouvais les voir. Parce que je voulais, là où je vais servir le Seigneur, là où je peux, et que chaque jour, tout dans la présence du Seigneur. Bon, il a commencé, bon, dit que ces gens-là aussi, ils sont occupés, bon, tout ça, bon, ça m'a un peu... Il faut le verser là, il dit que bon, je veux prendre la peine de t'appeler et il faut que je te voie vraiment. Et je dis, frère, ne va pas et. Ne t'inquiète pas, laisse ce qui ne va pas d'accord. Bon. Et tu es allé quand même à Bafoussan, tu es là, vous vous êtes réunis. Oui, je suis parti. Ça s'est passé comment? Posté, ça cela s'est bien passé. Tu étais content de les voir aussi? J'étais content de les voir. Mais là, maintenant, je suis arrivé à Bahanté, à Bafoussan, il dit que. Il me faut être rempli pleinement. Il me faut vraiment la plénitude authentique du Saint-Esprit. Parce que si je veux partir avec ça, comme une communion, il ne veut pas seulement la communion. Oui, il n'est pas vraiment seulement la communion. Et avec Rodrigue, c'est comment? Donc, quand je suis rentré maintenant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je vois presque tout. C'est vrai qu'avant d'arriver, le mystère fonctionnait déjà. J'ai regardé, observé. Presque tout sont toutes les mêmes choses chaque jour. Je suis venu, j'ai pris le frère, il lui dit un soir comme ça, parce que quand il monte sur Baranti, je dors souvent avec lui avant de rentrer. Et comme je disais tantôt que je suis en Kidindi, bon, je monte souvent, je fais au moins 4 fois à Baranti par semaine, parce qu'il y a des réunions, même quand il y avait la radio. Ces derniers temps, la radio m'était bien gâtée. Donc j'ai fait 3 fois par semaine. Quand je monte les samedis on est public, je dors. Quand il a commencé à parler du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher par rapport au Saint-Esprit. Mais il prêche seulement, sans toutefois peut-être dire, par exemple, dans les enseignements, il y a un enseignement de croix, 21 jours de jeûne avec les frères Jimmy. Oui. Bon, lui ne dit ça, il ne dit pas ça, il dit seulement qu'il parle prêche aussi comme ça. C'est vrai qu'il peut dire vrai, mais sans toutefois dire et que précis, il n'y a pas. J'ai vu que ça ne va pas. Quand je suis venu à lui prier, dit que mon frère, depuis que tu es en train de prêcher l'évangile, y a-t-il quelqu'un que toi-même tu connais qui est prêt à dire qu'on dit persécution, de passer peut-être au bûcher? Tu connais vraiment quelqu'un parmi depuis que tu prêches là? Il lui pose cette question. Il était bouleversé. Il a dit quoi? Il a dit que pour le moment, ce que lui est en train de faire maintenant, c'est de prier pour que Dieu puisse envoyer d'autres gens avec qui il va fonder les églises. Il ne comptait plus que sur les anciens. Donc, si c'est pour lui, pour travailler, il ne comptait plus que sur ces gens-là. Il comptait maintenant que Dieu peut susciter de nouvelles personnes. Et compris, dit que. Quand lui parlait, il dit que bon frère, me voici.
J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je dis que Paul et Silas, eux deux ont bouleversé une ville. Si les autres ne sont pas prêts, si nous deux ne consacrons pas ce moi, mais quand il dit que si nous deux, nous quand ça même s'est dit, prendre une semaine de jeûne, le frère me dit que c'est pas sa solution magique. Il ne voit pas ça comme solution magique. Quand je parle comme ça, quand il parle, il y a un risque, il sent bien que j'étudie, j'analyse, il voit que il y a un problème. Il y a un problème donc. Et je sais que quand. Parce que les dirigeants, les encadreurs sont comme les pères. Quand le père est quelque chose, il va chercher à inculquer ça à son enfant. Quand il ne peut pas, il avait dit que lui-même il n'en a pas. Il avait senti. C'est simplement logique. Quand il avait senti, il dit que ça ne vaut pas la peine. Bon. Et tant, il avait dit. Parce que c'est des. J'ai mis l'enseignement même sur. Parce qu'il y a des séquences là. Des séquences qui parlent de la confession. Répète après moi. Il y a des séquences, peut-être des 15 minutes comme ça là. Oui. J'ai mis ça à l'église parce que ce sont les choses qu'à la radio on dit que répète avec moi. Parfois il y a le moins, je veux confesser, tu répètes avec moi. J'ai mis ça. Et il y a un programme, actuellement il y a un programme, ça va commencer le début de peut-être la semaine prochaine. Bon, le jour qu'on avait parlé par rapport au programme, j'avais suivi les enseignants. Avant de suivre les enseignants, chaque jour je ne faisais que dire à l'assemblée que nous sommes superficiels. Je sens au-dedans de moi que non, nous ne sommes pas en train d'aller au-dedans parce que moi je ne sais pas si c'est vrai ou c'est la position de toi. Quand quelque chose va, je sens au-delà de moi que ça c'est bon. Mais quand ça ne va pas, au-delà de moi là, c'est comme si j'ai porté l'habit qui me sert. Donc je me sens vraiment très mal à l'aise au-delà de moi. Même quand même c'est dans une dénomination, quand j'ancre là, si ce n'est pas l'esprit, si l'esprit de Dieu n'est pas, je ne peux pas résister. Donc je vais toujours me battre tout ça. Donc je sens que c'est comme si l'esprit qui est à moi ne désire pas être dans ce milieu. Donc c'est un peu comme ça. Je lui ai dit que ça ne va pas. Si il y avait un programme, bon, il a affiché tout ça, il parlait d'un programme, il dit que vraiment, ça ne dépendait que de moi. Nous sommes malades. Regardons d'abord nos compositions. Cherchons à être guéris avant d'aller chercher les malades. Que le Seigneur te bénisse. Quand il parlait de ça, ça a créé un problème. Bon, je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de vraiment d'être convaincant. Parce que quand il parle de Dieu, donc je donne ma part des choses gros comme ça. Donc il faut entrer beaucoup dans les détails. Bon, peut-être que c'est ça qui bouleverse beaucoup de personnes. Ça a encore créé un problème. Dit que le réveil spirituel, il faut qu'on fasse une campagne de réveil. Donc c'était par rapport, parce que par rapport au programme, il dit que non, moi je ne suis pas moi d'accord, je ne suis pas moi pour poser le programme, ça n'a pas de moi comme je disais tantôt. Il faut que nous regardons, nous sommes malades, il faut qu'on essaye vraiment de voir ce qui ne va pas nous-mêmes avant de regarder. Bon, je me suis accroché que sur ça. Quand il parlait par rapport au programme, il a dit, on vient même pour prier, je ne prie pas. Je suis derrière, quand il veut prier, je prie seulement, je dis seulement, Seigneur, fais les voix. Seigneur, fais les voix. Jusqu'à le programme est arrivé. Bon, je suis arrivé là, je dis que moi, je ne suis pas moi d'avis. Par rapport au programme, j'ai pris, ça y est mis. Je dis que parfois, ces confessions, tout ça, et j'ai pris, m'appuyant sur certaines paroles que tu as parlé. Et c'est vrai, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, les gens mouraient. Les gens mouraient. Donc, tu ne peux pas être dit que tu peux. On va prêcher l'évangile. C'est vrai que la grande mission du Seigneur Jésus a donné d'aller prêcher l'évangile. Mais est-ce que tu es mandaté pour aller prêcher l'évangile? Parce qu'on ne doit pas sortir comme ça pour aller prêcher l'évangile. Quand j'ai parlé, j'ai à l'assemblée, j'ai décortiqué tout ça. Mais ça a créé boum. Ça a créé vraiment le boum. On me posait des questions en disant que comme certains gens qui se sentent à l'aise avec. Moi, j'ai dit que je ne me sens pas moi à l'aise. Et pour prêcher l'évangile, j'ai dit que. J'ai pris à l'autre jour, il m'a dit que même aller louer les baffles et tout ça. Parce que là, on a loué la salle. On va louer la sonorisation, les affiches. Pour de penser. Continue. Continue. Les affiches, c'est ça. Ne t'inquiète pas, on connaît les gens, on connaît les affiches des banlieues et autres là-bas. Oui. Je suis venu, j'ai pris l'autre jour, j'ai dit que tout ça là, ce sont des choses que ça ne donne bien pas de Dieu. Là, il parle, le pasteur me dit que est-ce qu'aujourd'hui internet qu'on utilise pour prêcher l'évangile avec ça vient aussi de Dieu et tout ça. Bon, je dis que moi je sais que c'est le Saint-Esprit qui envoie. Quand le Saint-Esprit t'envoie, c'est pour un but bien précis.
et pour aller toucher la cible. Quand, quand tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, c'est le vague. Moi, on en a fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Je n'ai jamais vu les fruits. Le foie, j'ai d'abus le foie beaucoup, mais je n'ai jamais vu les fruits. Donc, il faut que on puisse sortir pour toucher la cible. Donc, quand il parlait comme ça, bon, on a essayé de concrétiser comme ils ont parlé, comme ils pouvaient parler. J'ai dit, Jean-Baptiste, il criait que dans le désert. Il n'avait pas de micro pour crier avec pour les gens, mais le Saint-Esprit amenait les gens. Mmh. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Quand le Saint-Esprit est là, on n'a pas besoin de faire les efforts. C'est lui-même qui a l'œuvre. Donc, et même les affiches qu'on aime faire là, on aide à le Saint-Esprit à travailler son travail qui devait travailler. Normalement, les choses de Dieu, c'est bouche à oreille. En fait, c'est le Saint-Esprit qui attire. Mmh. Bon, c'est une chose que moi, j'ai parlé à l'Assemblée. J'ai parlé beaucoup de gens. Quand tu as mis l'extrait parlant des. J'entends souvent les gens qui prêchent, après, ils disent qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui veut. Oui. Enfant de Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux. Voilà, moi, je veux. Ouais, c'est vrai. Mmh. C'est ça. Mmh. Quand j'ai mis maintenant, après, il a dit que si on ne confesse pas. Ouais, il a pris Jean, ou c'est Jean 10, c'est Jean combien? Romain 19. Ou c'est Romain, il a pris ça. C'est du confesse ta bouche, Jésus-Christ. Tu vois, voilà. C'est ça. Et il a dit que bon, maintenant là, je crois que c'est acte. C'est acte 2, mmh. là où Pierre prêche. Première personne. Oui. Il eut le cœur vivement touché. Mmh. Ils ont eu le cœur vivement touché. Ça se manifeste le lendemain. Cette première personne ont confessé alors. Bon, ce sont un peu des choses. Ce sont des choses que j'ai parlé. Il dit que non, il faut confesser tout ça. Bon, on a concrédit. C'était maman là-bas, même dit que. Je prends l'enseignement d'un autre pasteur pour venir mettre dans l'église d'un pasteur. Bon. Ça a créé vraiment beaucoup de problèmes là. Moi, comment ça te regardais? Bon, je sais que. Et normalement, je devais être là depuis. Selon quand j'appelais la dame, non. Mm-hmm. Je devais être jusqu'à. La dernière fois même que tu m'as envoyé le SMS me disant que ici, je suis là, je viens à la maison. Je t'ai dit que je vais. Quel est le contenu du SMS? Que je t'ai envoyé. Tu avais dit que si je suis à Douala, que je viens à la maison. Mm-hmm. Je t'ai dit que non, je ne suis pas là et je serai là peut-être dans 3 semaines. C'est comme si j'avais parlé encore, je ne me rappelle plus quoi. Mm-hmm. Bon, ce temps-là, quand je disais que j'ai renvoyé comme ça, je disais que peut-être que je peux essayer de ramener, mais jusqu'à là, il veut que bon, ça ne fait que ça. C'est à rien. Voilà. Il faut que continue dans leur voix. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui dit que. Pourquoi tu peux soulever la terre, il faut prendre un appui au en dehors de la terre pour pouvoir soulever la terre. Tu ne veux pas être sur la terre disant que tu vas soulever la terre. Non. Je suis sorti. Donc, dimanche passé, je suis quitté, je dit que. Il a dit que, comme vous voyez, je serai, pas, je serai absent pour un bon bout de temps. Parce que je dit, même le passé, il disait qu'il veut voyager. Mmh. Il veut quelqu'un avec qui il veut travailler. Bon, on a parlé à la fin. Quand il dit qu'il veut voyager, il rassemble encore l'église, il parle. Il dit quoi? Il parle mal de toi? Oui, il dit que j'ai commencé à dire que les confessions qu'on fait, les ceci, bon, il a touché beaucoup de choses, touché même les points de doctrine, tout ça. Qu'il y a des choses qu'on ne devait pas faire, tout ça. Alors, je les ai dit que moi, je sens qu'on est superficiel. Le mot superficiel ne fait que parler chaque jour. On dit que l'assemblée, et parce que quand il parle de l'assemblée. On dit que non, c'est moi, je devais parler de moi. Parce que beaucoup de gens disent que non, on se sent à l'aise. Moi, je ne suis pas moi à l'aise. Je sens vraiment que ça ne donne pas. Bon, il a dit que bon, je me repens. Si il dit que c'est l'assemblée, je veux être, moi, je veux être profond. Je ne veux pas être superficiel. Quand il parlait de ça, bon, ça a créé un peu. Avant de sortir, ça a créé beaucoup de problèmes. N'importe qui faisait que. Donc. J'ai vraiment secoué un peu l'assemblée ces derniers temps. Mais je crois que là, l'intérieur, ce qui est dit, ceux qui vont, non, je peux comprendre, vont comprendre. Étant donné, c'est vrai que même les enseignements là, bon, il y a un papa là, qui est, il est professeur à l'université là-bas. Il n'était pas là quand toutes les choses sont passées. L'université de montagne. Oui, l'université de montagne. Mmh. Il n'était pas là quand toutes les choses sont passées. Je lui ai appelé, il dit que comme tu vois, tout. Parce que même ce papa là, il dit que est-ce que tu peux pas souvent organiser même les temps de jeûne, on prend même 2 jours pour jeûner. Le papa l'avait proposé ça. Bon, quand il peut. Donc le pasteur, lui, ne gêne pas, lui. Je ne sais pas. Là, je ne peux pas. Comment il peut gêner? Là, je ne sais pas. Si quelqu'un dit qu'il est déjà superficiel, c'est qu'il n'est pas dans le jeu. Et là, ce papa l'avait parlé. Bon, j'ai appelé le papa en disant que je te rappelle du jour que. Parce que je parlais tout. S'il y a des choses qui ont un peu changé là-bas, c'est que, bon, moi, j'ai beaucoup crié. J'ai beaucoup crié.
ça a un peu changé, mais ça n'a pas vraiment... Bon, tu me permets aussi un peu, n'est-ce pas? Oui, frère. Laisse-le côté et explique-nous donc ton cas. C'est ton cas qui nous intéresse. Mm-hmm. Puisque tu as fait tous ces parcours, il a plu au Seigneur de t'accorder la grâce que tu donnes sur les enseignements. Mm-hmm. Et après que tu les as écoutés attentivement, comment tu t'es senti et qu'est-ce que tu as dit en toi-même? Non, si quand j'ai entendu l'enseignement, j'ai dit que non, ça c'est la voix de celui que j'aime. En fait, j'ai tous les enseignements. J'ai poussé les enseignements à 100%, à 100%. Donc si ce n'est que quelques points d'ombre, donc de compréhension, oui, que j'ai donc quelque chose, quelque certains points d'incompréhension, non, par rapport aux enseignements, sinon tous les enseignements, quand j'écoute, ça me réjouit le cœur. Je suis vraiment. Donc même ce qui, si je sais pas la dame, peut-être que quand j'appelais, c'est toujours chez elle que ça tombait. Et donc, quand j'appelle, je dis toujours que je suis ravi. L'enseignement me touche. Elle me disait. Mm-hmm. Et si moi j'ai pris la peine de venir, c'est parce que je lui avais dit, j'ai envoyé même un SMS disant que. Laisse ce que j'ai laissé. Il dit que laisse. Il a dit que tu laisses le premier là. On va voir. Donc, c'est parce que je suis vraiment. J'ai senti que ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Et j'ai dit que bon, si c'est la vérité, il faut que j'aille vraiment. Alors, je pose la question, qui est derrière cette vérité là? C'est le Seigneur Jésus Christ. Qu'est-ce qu'il veut faire, frère? C'est toi qui as la parole pour faire. Maintenant, quand tu quittais à la maison, qu'est-ce que tu as résolu en toi-même? Bon, comme j'ai, avant de sortir, j'ai résolu en moi que je sais que là où je viens, c'est un lieu où, parce que j'ai suivi les enseignements. Oui, et je sais que ce sont les gens qui aiment le Seigneur et qui sont prêts. Donc, à tout faire pour le Seigneur. Et moi-même, en quittant, je me suis préparé en conséquence. Donc, on dit que même c'est n'importe quoi. Il faut que mon véritable problème, c'est que j'ai envie même d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai même besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et pour ça, je suis prêt, même si c'est jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que je puisse seulement l'obtenir. Frère Yannick, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. S'il y a des gens qui nous écoutent dans le monde entier et qui sont dans ton cas, qu'est-ce que tu vas les conseiller? Parce que ton témoignage, ce que tu as dit, on va écouter partout dans le monde entier. Oui. Bon, moi je vais les conseiller que quand on écoute la vérité, on va chercher la vérité. Parce que quand tu écoutes la voix, il faut chercher vraiment à savoir où la voix sort. Et quand là où la voix sort, bon, il sait que c'est une source d'eau vive et jaillissante. Et tu vas chercher aussi à boire. Là, je pose la question. C'est la voix que tu viens d'entendre là, c'est ce que tu entends dans les enseignements. Oui. Pourquoi c'était différent dans l'enseignement? Pourquoi ça faisait créer quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas changé. Non, il sait que derrière cette voix là, il y a. Parce que si c'est pour parler même de voix, ta voix n'est pas vraiment. Vu les enseignements, vu les leçons qu'il y a dans les enseignements, la voix n'est même pas bonne. Mais il y a quelque chose qui rend cette voix-là bonne. Donc, il rend cette voix-là agréable dans les oreilles. Et je sais que ce n'est pas dans toutes les oreilles. Donc, il y a quelque chose, Et moi, je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre cela dans les entendements. Parce que la Bible dit que donc, on les oreilles pour entendre, pour comprendre, mais ils n'entendent pas. Ils ne savent pas. Donc, moi, je vois que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vivre. Donc, tu vois que tu es notre frère, n'est-ce pas? Mais comment, mon frère, comment cette voix, quelque chose porte cette voix-là? Tu parviens à discerner, d'autres personnes ne discernent pas. Il y a des moments que je reste comme ça et dis seulement. Il y a un passage biblique là qui m'intéresse beaucoup et j'aime citer ça. Jérémie, chapitre 1er, à partir du premier verset, il dit. Avant que tu ne sortes, sois sorti avant que ta mère t'avait consacré. Il restait parfois écrit ça, il restait ça aussi comme ça. Il sait que. Je sais que avant que je sois dans la banque de ma mère, tu m'avais choisi. Oui, donc c'est ce que je sais. Et je sens, quand je réussis ça, quand c'est fort parfois. Et quelque chose, c'est une chose m'arrive souvent. Quand c'est fort, dis que Seigneur, comme tu vois là, toi-là même, je vais t'oublier, je vais t'abandonner. Un temps, ça ne te laisse pas encore. Oui, ça, non. Quand il dit que je vais t'abandonner, je vais t'oublier. C'est là alors ça prend feu là-dedans. Merde alors. Un violent mot de tête. Fait, il y en a qui ont testé ça peut-être trois fois. Et quand il finit de parler ça, il n'aime pas souvent les mots de tête.
un petit langue de tête vient déjà que si je ne donc déjà que si je ne quittais pas ça ne doit pas me le dire, ça va seulement me tracasser. Et quand il confesse après là ça passe. Donc tu comprends que tu es un... Donc tu es emprisonné. Exactement. Donc, le Seigneur t'a emprisonné depuis. Il t'a enveloppé par devant et par derrière. Tu es la bienvenue dans le camp des rebelles contre l'armée de Lucifer. Amen, amen. D'accord. Amen. Contre l'armée de Lucifer. Quand il voit ton témoignage et il suit ton tracé, il voit que Dieu ne m'a pas menti. Qu'il va t'envoyer les jeunes, n'est-ce pas? Tu peux mettre également qu'il pose encore une autre question. Il n'y a pas de problème. Tu es venu ici aujourd'hui. Tu as appelé le frère Achille et le frère Achille t'a fait qu'on t'a dirigé jusqu'à la maison. Tu es venu entrer dans la maison et il t'a dirigé pas au téléphone parce qu'il n'était pas à la maison. Mmh. Tu es venu à la maison. Tu es venu, tu t'es assis. Je suis sorti parce qu'il était en ligne. Je suis venu. Quel était ta nuit? Quand tu m'as vu, qu'est-ce que tu as pensé? Ah, je n'ai pas cru que c'est. Bon, c'est vrai que quand j'étais vu, bon, ça ne m'a pas trop semblé bizarre. Je viens pas sentir. Tu venais te saluer et puis oui. Vous allez dehors. Quand tu m'as salué, tu es sorti, mais je me disais que mais est-ce que c'est même lui? Donc c'est que donc au-dedans de moi. Mais c'est vrai que je n'ai pas senti une autre sensation, mais quand je suis arrivé ici quand même, j'ai senti au-dedans de moi une joie quand même profonde au-dedans de moi. Et quand j'étais vu, je n'ai pas senti. Tu pensais que c'était qui? Donc j'en pensais que c'était quelqu'un oncle, parce que je n'étais jamais vu et je vois me manquer un petit. Non, sans toi, les prépare. Il y a un petit qui sort. Mais salut, mais tu moi, je me suis dit que peut-être que tu sois brûlé avant que quelqu'un. Tu n'es pas allé de m'insulter, n'est-ce pas? Non, je vois le canard, tu vois le canard. Tu n'es pas allé insulter le canard, pas vrai? C'est pas vrai, frère? Non, mais voilà. Jusqu'à présent, même chez mon frère, je lui ai dit que merde. Non, jusqu'à présent, c'est. Et même jusqu'à maintenant, ma frère, c'est en que je suis en train de voir, ben, je vois, je suis les enseignements. Bon, les gestes, bon, les petits trucs que tu fais sur les enseignements, parfois amusants, tout ça. Mm-hmm. Oui, c'est là où donc je confirme que non, ça c'est. C'est moi, toi, c'est moi, moi. Et aussi, l'enregistrement que tu as fait par rapport à l'oiseau là. Mm-hmm. Oui, j'entends encore la voix, je dis que mais ça, c'est la voix qui est dans le. Dans les enregistrements. Oui, ça, c'est la voix de l'enregistrement. Mm-hmm. Et sinon. Dans ces moments-là, on ne conduit pas le Saint-Esprit. On conduit pas l'Esprit de Dieu. Et je crois que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut donner de comprendre. Mm-hmm. Et moi, j'ai béni le Seigneur, parce qu'il m'a accordé cette grâce. Depuis que j'ai cru, je suis passé dans beaucoup de milieux. Mais beaucoup de gens donc ne comprenez pas ce que moi je comprends. Je vois toujours quand les gens l'eau qui me descend, mon esprit me fait que me conduit que vers le bas. Mm-hmm. Donc je suis, mais pour le moment, c'est que je sens vraiment quand j'ai vu les frères, j'ai vu les jeunes, dit que non, maintenant je suis chez mais moi. Donc tu pensais que tu vas trouver frère Haché, que frère Haché a 4 enfants, qu'il est vieux, junior, il est géant, quand il était colosse, avec les cheveux blancs, peut-être, mais tu as je vois les jeunes, oh my god, les jeunes lions. Ça me... Que le Seigneur soit loué. Béni est le Dieu vivant. Amen. Qui dans les cieux fait des choses merveilleuses sur la terre, dans la douceur et dans la tendresse. Donc si les gens sont allés de chercher Dieu comme tu cherches, des dénominations en dénominations, ils sont dans des milieux où ils ont la soif à l'intérieur et rien ne parvient à combler cela. On les embrouille par-ci, par-là. Quel est le conseil que tu vas leur donner? Avec ton expérience, parce que à la lumière de ton expérience, il s'agit de... Tu es à l'école de Dieu par rapport à sa recherche, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment là ma soif de Dieu. Moi, bon, je sais que au-dedans, parce que moi, j'ai beaucoup de choses, je ne peux pas dire que c'est pas de par moi-même. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vraiment prend le contrôle, il faut seulement se laisser guider. Amen. Il faut seulement se laisser guider. C'est le moment de l'église. Voilà le moment, voilà les indications de l'église pour montrer que quelque chose d'anormal est sur le point de se passer. Le Seigneur a créé quelque chose dans les cœurs pour montrer que ceux qui le cherchent de tout leur cœur vont aller à la fontaine des sources d'eau vive. Amen. Donc c'est sur le point de se passer, d'accord? Amen. Tu es la bienvenue. Amen. Tu viens boire, n'est-ce pas? Amen. Mes gouttes qui sont à la maison là, tu peux boire, c'est tout, c'est ça que tu veux? Tu veux quoi?
Il veut vraiment l'eau vive jaillissante. Il y a une femme qui parlait avec lui. Il a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, il te donnera une eau. Tu n'as même plus besoin de venir ici. Quand la femme a entendu ça, elle savait que cette voix était différente. D'accord? Prends-toi ton temps, repose-toi, reste tranquille tout simplement. Laisse-le faire son œuvre en toi, alors que tu es ici, d'accord? Reste tout simplement tranquille. Qu'il fasse de toi comme il. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. 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 Voilà. Sens-toi à l'aise. Rafraîchis mon âme de toi. Oh, oh, oh. Inonder mon cœur. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur.